Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la culture de la pomme de terre. Donc, cultiver la pomme de terre et récolter 10 millions de francs CFA après 3 ou 4 mois. Donc, si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en entreprenant et en investissant massivement sur le continent que le continent pourra se développer sur le plan économique. Donc, sur ma chaîne aussi, je fais la promotion, c'est-à-dire que je valorise nos produits du terroir africain, dont les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos épices. Je fais la valorisation aussi de nos essences. C'est-à-dire, voilà, nos essences, qu'est-ce que j'entends par essence? C'est tout ce qui est, c'est-à-dire, voilà, arbre, c'est tout ce qui est plante médicinale. Donc, je vous invite aussi comme ça, c'est-à-dire, à planter autour de vos jardins à la maison. On a de l'espace au jardin, dans nos jardins au pays, hein, de planter les essences, de planter les plantes médicinales, de planter aussi les arbres dans les plantations. Car l'actualité montre aujourd'hui que c'est à travers nos plantes, c'est à travers notre médecine pharmacopée qu'on pourra, que l'Afrique pourra vraiment se soigner. Donc, si on attend après l'OMS ou si on attend après les médicaments de synthèse, on est mal barré parce qu'ils sont là pour faire du profit. Ils sont là pour faire du profit et on a vu qu'avec une Afrique pauvre, nous ne pourrons pas nous soigner. Nous ne pourrons pas suivre. Hein? On meurt encore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de paludisme, alors qu'on a des plantes naturelles comme l'artémisia qui peut nous soigner. Mais ils sont là à vouloir nous vendre les médicaments, à vouloir nous vendre des vaccins qui nous coûtent la peau des fesses. Donc voilà. Donc je vous invite aussi à parler autour de vous, à faire la promotion, à valoriser nos produits du terroir, nos mères, n'ayons pas honte, parlons de nos mères, faisons partager aussi nos mères au reste du monde. C'est ça que c'est ma chaîne aussi. Hein. Ma chaîne aussi, c'est aussi, c'est-à-dire, voilà, parle de l'élevage, de l'élevage et de la pêche, parle de l'élevage de la race locale. Hein. Moi, je suis plus pour la race locale aussi. Hein. Donc, ma chaîne aussi, si je l'ai créée, c'est pour vous inviter comme ça, c'est pour t'inviter à sortir, c'est-à-dire, voilà, à passer à l'action, de quitter la posture du consommateur à celui du producteur. C'est de te partager mes astuces et techniques business, c'est de te partager mon mindset, afin de pouvoir t'aider comme ça dans tes réalisations ou dans tes prochaines réalisations. Ma chaîne aussi, si je l'ai créée, c'est pour vous inciter, et je dis surtout la diaspora. Si je viens te voilà bousculer les consciences, vous dire, frères et sœurs, il est temps qu'on sorte dans cette posture où on est toujours en train de condamner, toujours en train d'accuser, toujours en train de fustiger le système. Voulons-nous être des politiciens? Si vous voulez être des politiciens, créez des partis politiques. Et faites la politique. Est-ce que la diaspora est devenue telle que politicienne? Et moi, je sais aussi que c'est très facile de rester telle que comme ça dans la posture de la critique. À un moment où on a critiqué, passons à l'action. Il faudrait passer à l'action. Moi, c'est l'engagement que j'ai pris, c'est la décision que j'ai prise il y a déjà 7 ans. Si j'ai créé la chaîne, c'est pour vous montrer que, au-delà des commentaires, au-delà des discours, il faudrait qu'on passe à l'action. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 7 ans, en embarquant femmes, enfants, frères et sœurs, dans l'aventure entrepreneuriale, dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, qui est aujourd'hui appelé pour communément poivre du Punjab, produire le palmier à huile, produire les cultures telles que le Jansang ou l'Api, qui est l'origine d'un don et l'autre, produire le Pitakola, ou la petite cola communément appelée, qui est la Gassinia Cola. Produire plusieurs essences comme ça, avec pour mission de créer une marque spécifique à nous et de mettre sur le marché. Voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est facile. Si tu tombes sur la chaîne pour la première fois, tape la chaîne Agripreneur Visionnaire. Tu verras ce qu'on a pu faire en 7 ans avec des erreurs. Je ne l'ai pas caché, je vous ai partagé mes erreurs. Mais c'est pour te dire qu'au bout de 7 ans, on est capable de faire des choses quand on accepte de payer le prix. Quand on accepte de payer le prix, on est capable de faire les choses. Et les choses ne pourront pas se faire comme ça, tel qu'en étant dans la zone de confort. Ça va nous demander de payer un prix. Il y a un prix à payer, qui est la discipline. La discipline dans nos finances. La discipline, telle que dans la vie, la discipline dans le développement personnel. La discipline sur le plan, telle que spirituel. La discipline sur le plan moral. La discipline sur le plan émotionnel. Nous sommes trop émotifs. Donc, il faudrait qu'on sorte de ce système émotif, là où on est toujours en train de pleurer. L'économie s'en fout de l'émotion. Donc, il faudrait qu'on se le dise. L'économie s'en fout des émotions. Donc, ça, c'était un petit parenthèse. Je vous ai dit, je serai plus là pour appuyer, pour mettre l'accent sur le mindset. Hein. Si on veut se développer, si on veut réussir, peu importe ce que vous entendez par réussite, chacun sa définition de la réussite,
mais ça va nous demander d'avoir un mental fort. Ça va nous demander d'avoir un mindset de puissance. Ça va nous demander un mindset de gagnant. Pas un mindset de pleurnicheur ou de pleurnicheuse. Et je vous ai dit, la réussite s'en fout de nos émotions. Et la réussite s'en fout de nos circonstances. Nos circonstances ne nous définissent pas. Donc c'est sur ça que je vais insister. Donc aujourd'hui, frère et soeur, je vais vous partager. Vous avez la pomme de terre. Nous devons, si nous devons bâtir l'Afrique, nous devons bâtir l'Afrique avec une stratégie claire et nette. Donc voilà, ça fait plusieurs vidéos comme ça que je partage sur les tubercules. J'ai la dernière vidéo que j'ai faite, c'est sur la pomme de terre. L'avant-dernière vidéo, c'était sur le manioc. Si tu ne l'avais pas vu, va le voir. Mais voilà la pomme de terre aussi. Là, voilà la pomme de terre. Je dis, voilà une plante qui est stratégique. Si nous voulons tel que bâtir l'Afrique, si nous voulons contrecarrer, tel que lutter contre la faim, la malnutrition en Afrique, nous devons utiliser des cultures stratégiques. Ce n'est pas avec le blé, ce n'est pas avec le maïs qu'on importe en masse, ce n'est pas avec le riz que nous importons en masse. Nous avons des cultures comme ça qui poussent comme ça de façon naturelle sur notre territoire. Nous avons des zones agroécologiques favorables à certaines cultures. Beaucoup de tubercules tels que poussent de façon naturelle en Afrique. Nous devons être plutôt axés, c'est-à-dire que notre politique agraire sur nos tubercules. Je ne demande pas de limiter, de stopper les importations de blé, mais on peut limiter l'importation. Donc, en faisant quoi? En cultivant avec la pomme de terre. La pomme de terre, je vais te dire aujourd'hui, je t'ai dit, tu cultives la pomme de terre, tu récoltes 10 millions au bout de 3 ou 4 mois. Donc, avec une mise de départ de 1,5 million, tout en comptant que tu as déjà tes terres, donc tu investis 1 million et demi, tu récoltes 10 millions. Je dis bien 10 millions de francs au bout de 3 ou 4 mois. Donc, c'est quoi la pomme de terre? Je vais te partager un peu la genèse. La pomme de terre, c'est une tubercule qui est d'origine latino-américaine. Donc aujourd'hui, la pomme de terre est cultivée dans 350 pays. En Afrique, c'est l'Égypte. Hein? En Afrique, c'est l'Égypte qui est le premier producteur de pommes de terre, hein? avec une capacité de 2,6 millions. Et le premier pays producteur de pommes de terre au monde, c'est la Chine. La Chine a une production annuelle de 70 millions de tonnes. Donc, voilà. Qu'est-ce qui nous empêche comme ça? On dit l'Afrique a 60% de terres arables. Qu'est-ce qui nous empêche aussi comme ça de bâtir un plan stratégique sur la pomme de terre aussi? J'avais dit la dernière fois sur l'igname, on peut aussi faire sur la pomme de terre. Qu'est-ce qui nous empêche de bâtir? On a l'Égypte qui est déjà là, qui montre les armes. On peut aussi bâtir une vraie politique. Donc, en termes de variété, on a plusieurs variétés. Et les variétés diffèrent selon les zones agroécologiques. Donc, au Cameroun, par exemple, on a la variété cardinale. Hein? Comment est-ce qu'on reconnaît on a la variété de pomme de terre cardinale. Hein? Comment est-ce qu'on reconnaît la variété? C'est une tubercule ovale, à peau rouge. Mais elle est résistante à la sécheresse. Donc voilà, la variété cardinale. On a la variété capina. Donc c'est une tubercule arrondi, hein, la peau est blanche. C'est un tubercule tolérante, hein, qui est tolérante aux nématodes. On a la variété diamant, tubercule long. Donc tu le reconnais parce que ça, la forme est longue. Hein, la peau est claire, lisse et résistante aux nématodes aussi. On a la variété désirée. C'est un tubercule allongé. Hein. Donc la particularité, c'est quoi? La peau est rouge, claire ou jaune. On a aussi dans les zones du Sahel, hein, ça c'est la variété qui est utilisée au Cameroun, hein, et dans les zones du Sahel, on a les variétés Adriana, on a les variétés Sahel, on a la variété Amazon, etc. Il y a plusieurs variétés et les variétés diffèrent selon les zones agroécologiques. Donc s'il y a une variété ici que je n'ai pas citée, il faut pas que les cheveux se dressent. On a comme ça plusieurs variétés parce que nos ingénieurs agronomes aujourd'hui ont cette capacité aujourd'hui d'améliorer telle que les variétés et augmenter les rendements. Donc voilà. Comment se passe la culture? Voilà. Donc comme j'ai dit, on rencontre plusieurs variétés selon les régions. Chez nous au Cameroun, la pomme de terre. La pomme de terre est plus cultivée dans les zones en altitude. Hein. Donc en altitude, on verra au Cameroun que la pomme de terre est cultivée dans les hauts plateaux de l'ouest. Hein. Dans les hauts plateaux de l'ouest, à la Damawa,
hein, dans les monts Mandara, hein, dans les monts Mandara en région de Mokolo. Donc, la pomme de terre s'exprime mieux, c'est-à-dire qu'en altitude. On ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas planter qu'on ne pourra pas planter aussi en zone humide, dans les zones forestières. Mais si on plante dans zone forestière, le rendement ne sera pas, le rendement ne sera pas, voilà, équivalent aux zones de haut plateau. Donc, il est préférable de planter en zone de haut plateau. La température aussi, voilà, la température aussi, hein, de 0 jusqu'à 20 degrés, des fois jusqu'à 30, pas plus. Donc, c'est de 0 à 20 degrés. Voilà. Donc, quelle est la quantité de semences? Quelle est la quantité de semences, c'est-à-dire que pour un hectare de pommes de terre, la quantité de semences pour un hectare de pommes de terre, il faut 2000 kilos, 2000 kilos de semences. Donc, avant de planter, voilà les pommes de terre que j'avais chez moi, telles qu'à la maison, vous voyez. Donc, il faudrait d'abord, avant d'aller planter, de faire pré-germer, les pommes de terre, vous voyez. Quand on dit pré-germer, c'est ça, que la pomme de terre commence déjà à germer. Donc, c'est ça, vous voyez. Donc, vous faites pré-germer déjà d'abord vos pommes de terre avant d'aller les ensemencer. Donc, j'avais dit, pour un hectare, il faut un investissement de 1 million et demi. Et au bout de 4 mois, vous récoltez. Voilà, au bout de 4 mois, vous récoltez. Et ça vous fait, c'est-à-dire, voilà, un rendement de 20 tonnes, 20 tonnes à l'hectare. Le rendement est de 20 tonnes à l'hectare. Et après la vente, vous avez 10 millions. Donc, 20 tonnes à l'hectare, vous avez 10 millions de francs CFA. Donc, comme je répète toujours, nous devons tout penser, planter, voilà, et après, transformer. La transformation de la pomme de terre, j'ai dit, la pomme de terre, voilà encore une tubercule qui peut nous permettre, comme ça, de limiter les importations massives de protéines, de céréales. Hein, la farine et tout ça. On peut faire, à travers la pomme de terre, on peut la manger bouillie. On peut la manger bouillie, on peut la manger aussi pilée. Chez nous au Cameroun, hein, vous connaissez chez, hein, du côté de l'Ouest, les pommes de terre, les bonnes pommes de terre pilées avec le haricot rouge et l'huile. Hein? Bonnes pommes de terre pilées, hein, le chou pilé, comme on dit du côté de la Maine ou les Tchangay. On peut aussi dire que faire des frites de pommes de terre. On peut faire des chips de pommes de terre. Hein, vous voyez? C'est ça. On peut faire des frites, on peut faire de la farine, j'ai dit, on peut faire de la tantôt, j'ai dit, on peut faire de la farine. Et avec les épluchures de pommes de terre, on peut faire du biogaz. Donc rien ne se perd. Tout se transforme. Donc voilà. Donc c'était ça encore. Voilà, une idée business que je partage. Donc ne restons pas là dans l'inventif, soyons créatifs. L'Afrique, je dis l'Afrique, si on base, et on fait une vraie politique sur le plan agraire, l'Afrique se développe très facilement. On n'a pas besoin d'aller sonder nos sous-sols. Les sous-sols, c'est une réserve encore qu'on peut garder pour les générations futures. Mais aujourd'hui, mettons-nous au travail. J'interpelle la diaspora, ne cherchez pas les trucs bling-bling. Arrêtez-moi vos commerces de bail en selle, vous allez acheter, achat, revendre. Vous avez vu, le Covid-19 aujourd'hui nous bloque. Et le Covid-19 doit nous amener à réfléchir que nous ne sommes pas en train d'enrichir l'Afrique en allant importer les produits manufacturés. Nous appauvrissons plutôt l'Afrique. Et maintenant où les frontières sont bloquées, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est le moment de nous réadapter. C'est le moment de qu'il y ait une vraie prise de conscience et qu'on bâtisse plutôt. Et c'est l'agriculture. Commençons déjà à produire, maîtrisons la production. Et après, on va passer à la transformation. Et après, tel que l'industrie lourde pour arriver. Commençons déjà avec la semi-industrie. N'attendons pas les grosses machines, non. Les Européens ne sont pas développés, c'est-à-dire qu'avec en apportant la grosse technologie. Commençons déjà doucement. Semi-industrie, après la grosse industrie, après la technologie pour arriver. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, c'était ça le petit filon. Et pour te dire, si tu ne t'es pas encore abonné, si tu trouves que le thème du jour t'a plu, et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant aussi sur la cloche, afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Bon, si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Merci aussi à tous ceux qui sont en train de rejoindre la chaîne. Merci pour votre soutien. Et puis, voilà, je dis, restons tels que là, restons connectés, informons-nous, lisons, entourons-nous de ceux qui ont l'expertise, mettons-nous au travail, hein, mettons-nous au travail. Ce n'est que par le travail qu'on pourra se développer sur le plan personnel que sur le plan collectif. Ce n'est pas en blablatant, ce n'est pas en fustigeant, ce n'est pas. L'économie s'en fout de nos émotions. L'économie s'en fout de nos émotions. Et le capitalisme, encore plus. On s'en fout de ce que. Tant qu'on est pauvre, on n'a pas la parole.
Si on n'a pas compris ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra comprendre ça. Donc voilà, chers frères et sœurs, je vous dis merci et au prochaine vidéo. Ciao.